sur l'écran noir de mes nuits blanches. Moi, je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Oh oh, sur ta poitrine grand format, voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis, comment ça va? Voici un homme marié, un homme d'intérieur ayant cuisine, cave, bonne et beaucoup de soucis domestiques. La manière dont nous nous sommes mariés va peut-être t'amuser. Il y avait 5 jours que, sans prévenir aucun de nos parents respectifs, nous nous étions mariés dans cette ville quand nous l'avons raconté à Clément et à Savigny. Tu vas comprendre la difficulté quand tu sauras que j'habitais chambre à chambre avec Clément alors que Bettina habitait chez Savigny. Mais il arriva, comme dans 1000 comédies, qu'une femme de chambre servait en tout d'intermédiaire. M'étant marié secrètement le matin dans la chambre d'un pasteur octogénaire, je suis venu le soir comme d'ordinaire chez Savigny. J'ai descendu bruyamment l'escalier, claqué la porte de la maison, et je suis revenu furtivement jusqu'à la chambre de Bettina, qui était joyeusement ornée de romarin, de jasmin et de myrte. Le matin, je suis parti, j'ai affirmé à Clément que je m'étais trouvé très mal au cours de la nuit, de sorte que j'avais été obligé de me rendre à une auberge, et en même temps, j'ai pris un léger vomitif qui a convaincu tout le monde. Tu vas demander pourquoi toutes ces particularités? Je te répondrai, en toute généralité, à cause des commérages. Pourtant, spécialement à cause de ceux sur Clément qui l'angoissent de plus en plus au fur et à mesure qu'il fréquente le monde, mais en général, parce que tous les mariages retentissants comme le nôtre en fut inévitablement devenu un. Et qu'ils appartiennent à la plus fâcheuse dérision de tout sacrement, à la plus funeste grivoiserie, où même encore les gens se croient obligés, incidemment, de verser quelques larmes. Ça, c'est clair, oui. Le mariage est une funeste grivoiserie. Pourtant, ils sont restés mariés plus de 20 ans. Ils ont été très heureux. Ils ont eu 7 enfants. Ça, oui. Seulement, il a cessé d'écrire. Il s'est seulement occupé de ses mômes. Après ça, fini Arnim. Tu sais sûrement pas à cause d'elle qu'il a cessé d'écrire. En tout cas, Bettina, elle a commencé à écrire après la mort de son mari, non? Oh. On ne peut vraiment pas discuter avec toi. C'est impossible.